Nous sommes en 1938. Charles et Alphonse Hollande débarquent à Tahiti après un voyage de 35 jours de mer à bord de l'Éridan. Invité de Maeva, Charles Hollande, 74 ans. Votre premier contact, bonjour Charles Hollande. Bonjour. Votre premier contact avec le territoire polynésien. Ça s'est passé en mai 1938, après un voyage depuis Marseille sur l'Éridan. Et ma foi, Tahiti, à l'époque, c'était pas du tout Tahiti d'autrefois. C'était un petit village tranquille, sous les grands arbres, bien frais. Et on pouvait parler dans le milieu de la rue, discuter le coup avec un copain. On n'était pas dérangé par les voitures. Il y avait beaucoup de bicyclettes. C'était la vie calme, tranquille. Dans quel secteur d'activité étiez-vous ? Eh bien, avant de venir à Tahiti, mon frère, qui était plus âgé que moi, mon frère avait 13 ans de plus que moi, il avait succédé à mon père qui était entrepreneur de construction dans la banlieue de Paris. Et puis, un jour, en écoutant la radio, il n'y avait pas de télévision à l'époque, on avait entendu un reportage sur les îles merveilleuses du Pacifique. Il parlait surtout des îles Hawaï. Et mon frère avait écouté ça d'une oreille distraite et puis, sans rien dire. Et puis le lendemain matin, il nous dit, tu sais quand même, pourquoi on s'embête ici? On devrait aller vivre dans ces îles merveilleuses. Alors il était se renseigner à Paris, et puis on lui a dit, mais les îles Hawaï, vous savez que c'est un territoire américain, vous avez un territoire qui est français et qui est beaucoup plus accessible pour vous, plus pratique, et puis qui est beaucoup moins peuplé, où c'est plus calme, et vous avez certainement plus de facilité, c'est Tahiti. Mon frère avait dit oui, c'est certainement une idée, c'était renseigné, il n'y avait pas beaucoup d'agences de voyage à l'époque. Elle avait été à la compagnie des messageries maritimes. Et puis ça s'est décidé en un mois et demi. Après, il avait vendu son affaire et on partait sur le bateau pour Tahiti. En quelle année vous êtes-vous lancé dans la projection cinématographique à Tahiti ? Ah bah après, alors ça a été en 45, en 44, mon frère avait racheté le ciné Bambou, le ciné Baldwin, qu'il a rebaptisé le ciné Bambou, en 44. Et puis alors, moi je suis revenu parce que j'étais parti une partie de la guerre en France, je suis revenu en 46 avec le bateau qui rapatriait les volontaires du bataillon du Pacifique, le Sagittaire, en mai 46. Et là, alors là, nous avons fait le cinéma Bambou, alors jusqu'en 50, quoi. À quel endroit il se trouvait à Tahiti, le cinéma Bambou, justement ? Eh bien, à l'emplacement du Mandarin, actuellement, en face de la mairie, derrière, à côté du Dragon d'Or, là, juste à côté, là. Alors, les appareils que vous avez utilisés sont venus de France, pour la projection de tous ces films, et les films venaient d'où ? Oui, les films venaient de France. Les appareils, c'était des appareils américains. Mais les films venaient de France, parce que moi j'étais bien placé en France, j'avais travaillé dans le cinéma un peu en France avant, et je connaissais les distributeurs de films pour l'outre-mer. Et j'avais ramené avec moi de très très bons films français, dont Tahiti avait été privé pendant des années de guerre, puisque Tahiti était coupé de la France. Alors évidemment, les gens étaient contents ici de retrouver des films français, parce que pendant la guerre, il y avait des films américains en version originale. Il y avait un gros problème de ravitaillement avec la France au niveau cinématographique. Ah oui, ça a été long encore. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, hein, alors les bateaux, ils mettaient 35 jours, mais il y avait un bateau tous les 45 jours, tous les 45-50 jours. Alors, le temps que le bateau vienne et reparte, quand on écrivait une lettre en France, on avait la réponse 4, 5, 6 mois après, parce qu'il fallait attendre le courrier, le bateau. Et puis alors, ça a duré comme ça jusqu'à l'aviation. L'aviation, ça a commencé seulement après les années 50. Hein. Et encore, l'aéroport ici a été ouvert en 61. Mais avant, on correspondait par télégramme avec la France. Quand on faisait venir des films en France, je correspondais par télégramme avec les fournisseurs. Ça venait par bateau, on immobilisait les films ici pendant 6 mois, on les réexpédiait. C'est tout à fait différent de ce qu'on fait aujourd'hui. De la projection, vous êtes passé au tournage d'un film en 1953, un film qui existe et qui est à l'heure actuelle sur le marché, qui s'appelle « Si Tahiti m'était compté ». Alors, les notions que vous aviez à l'époque de caméraman,
C'était des notions que vous aviez apprises ou est-ce qu'elles ont été spontanées Non, c'était tout à fait différent. Nous étions dans l'exploitation cinématographique, donc avec le ciné-bambou, et ça n'avait rien à voir avec la prise de vue. Et nous n'étions pas des caméramans professionnels. Et nous avons décidé en 1953 de faire le film « Si Tahiti m'était compté ». C'est toute une histoire. C'est parce que mon frère avait fait un voyage en France dans les années précédentes, quand on avait vendu le bambou. Et puis il avait vu qu'en France, on présentait des films qui n'étaient pas toujours exacts sur la vie à Tahiti. On racontait beaucoup de choses. Des fois, il y en a qui disaient que c'était merveilleux, d'autres qui disaient que c'était très mal. On ne savait pas où était la vérité. Mon frère a voulu faire un document sur la vie réelle à Tahiti, telle qu'elle était à cette époque, bien entendu, parce que depuis, ça a changé. Et c'est ce que l'on a fait, c'était un reportage d'actualité à l'époque, sur la vie traditionnelle à Tahiti en 1953. Pour ce best-of entre guillemets de Maeva, je souhaiterais tout d'abord remercier toutes les équipes des Réfos avec qui j'ai eu le plaisir de travailler lors de ces différentes émissions, mais également des indépendants, je pense à Lika. Lika qui nous avait fait parvenir, c'était au mois de novembre 1993, ce que l'on appelle en américain un making-of, c'est le tournage du clip de Marouya.